Nous sommes de retour, donc voici Luigi's Mansion dans le flou, épisode 4. L'épisode 4 qui s'intitule La Zone 2. Oh yeah. Arrête ton culin, trésor. On va le coffre. Ouais. On continue la Zone 2. Ouais. La Zone 2 qui est très rigolote. Parce que la Zone 1... Et lui, il dit... Luigi, tu m'entends? Dieu merci, j'ai une joie. J'ai finalement perdu contact avec toi, j'étais inquiet. Je me sens fatigué après cette longue bataille. Tu as une petite mine. Pourquoi t'en viens-tu pas au labo pour te remettre? Quand tu aspires un boss fantôme, ton Exobus 3000 est prêt à exploser. Je crois que tu as montré à ce boss qui est le vrai boss ici. Ah bah c'est vrai. Votre ami. La clé de la zone 2, on va pouvoir y aller. Mais d'abord, on va faire un truc, c'est qu'on va transformer les fantômes qu'on a attrapés en tableaux. Tu es toujours entier, ça fait plaisir. Regarde-moi cette merveille, j'ai mis 20 ans à la construire. C'est un portrificateur ectoplasmique. Il permet de transformer les fantômes de tableaux et vice-versa. C'est un exemplaire unique au monde, irremplaçable. Comment fonctionne-t-il? C'est très simple, il faut juste brancher cette fiche de cette prise. Et c'est parti, mon gars. Ok, on l'a pas dans la machine. Ah non, vous pouvez voir, c'est assez marrant. Après, on l'a pas dans la machine à laver. Dans la musique, il est dans comment il danse comme un tricot. Quoi? D'accord. Les fantômes sont invisibles. Nous devons donc les presser pour les rendre invisibles. Mais l'idée est... C'est un magnifique portrait ectoplasme. Parfois, des tableaux, en fait, elles sont différentes. Et c'est grâce à ça aussi qu'on pourra aller à la galerie pour regarder tous les tableaux qu'on a récupérés. Merci, Luigi. Grâce à toi, j'ai pu retransformer ces fantômes en jeu de tableau. Merci. Bon, voici maintenant les scores. Vous avez pris zone 1. Neuville, Lydia, Oliver. Au total, 3 fantômes, dont 3 boss. Oui, oui. Franchement, la zone 1, c'est vraiment une longue très longue. Parce qu'après la zone 2, franchement, la zone 2 comparée à la zone 1, elle est beaucoup plus longue. C'est vrai. C'est d'ailleurs plus amusant. 5 millions 805 000 vers la zone 2. Et donc on va aller dans la fameuse zone 2 qui est beaucoup plus complète, franchement. Mais j'ai déjà baissé mon... Pourquoi tu te plains? J'ai pas entendu ce qu'il y a de l'autre côté quand même. Non. Tu as mis mon truc là, t'as joué avec mon... Steven. Quoi? Tout à l'heure tu as joué avec mon sèche-cheveux, il est où le... Mais j'ai rien fait. Si tu as écrit mon sèche-cheveux. Allez, vas-y. Mais maman, j'ai pas y touché. Si, tu as touché. Peut-être, mais je n'ai pas déplacé, j'ai rien enlevé. Bon. Oh, Steven, regarde, si tu l'as pas vu par terre. Maman, j'ai rien fait. Steven, maman, j'ai rien fait. Si, t'avais qu'à pas toucher mes cheveux. Mais j'ai rien débranché. Steven, mais s'il te plaît, ne dérange pas. Je vais éteindre maman. Maman. Lâche-toi. Mais maman, je sais mon pas. Mais fais laisse-toi déjà. Mais... Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait en plus. Mario. Juste encore 4 minutes 50, moi j'arrive. Eh ben attends, t'es encore là? Ouais, je suis là. Ah, désolé pour ce petit malentendu, c'est parce que j'ai juste des petits problèmes. Non, c'est fantôme moi, c'est des fantômes trisomiques. Ton plafond, par contre, ils ont 0 PV, donc c'est très sérieux. Ah, oh, d'accord, c'est bon, j'arrive. Il reste encore 4 minutes 25. À 21h, tu es là, il reste pas 20 minutes.
Dépêche-toi. Mais je sais, maman, arrête de hurler. Non, j'en ai besoin. Non, dépêche-toi. Tu me cherches. Bon, j'arrive. Une seconde, j'arrive. Valentin, trouve-toi un moyen de... Ah, mais voilà, regarde où tu l'as mis. Ah. Arrête de toucher à mon sèche-cheveux. Non, tout compte. Désolé pour ces gros problèmes, c'est parce qu'en fait j'ai rien fait. Ma mère elle croit que je lui ai touché quelque chose alors que j'ai rien touché. Ça c'est ce qu'on appelle se plaindre pour rien. Et on dirait que tu as rencontré quelques difficultés. En fait, toi plus, il faut avoir tout le temps pour t'attraper. Ça c'est pour dire des plastiques directionnels, l'avant en arrière pour t'en défaire. Toujours ce rythme commun pour la survie, car le moral dit. Valentin, oui. Eh mais sérieux, je n'ai vraiment pas touché à son sèche-cheveux, je lui ai rien fait. Non, je m'en fiche de tout ça. C'est possible, enfin, seulement. Je prends ses cheveux, je veux que me dire. Franchement, les mères pour un sèche-cheveux. Et en plus, elle m'avait promis de ne pas me déranger. Franchement, pourquoi elle a que son propre fils qui n'a absolument rien fait. Enfin bon, on s'en fout, ça c'est aussi alors. Ouais. Bonjour. Oula. Ouais. Non. Et toi en même temps, c'est comme chandelier. Des fantômes chandeliers. Et vous comme bien. En fait, tu peux tuer, tu peux retirer leur masque, un peu comme ça. Les fantômes s'échappent à eux. Raté. Et voilà. Ah bah on peut dire voilà qu'on a trouvé un petit boss. Ça c'est un démon. Pour les déranger, on se met dehors. Oh là là. Ça on peut dire c'est un coup pas prévu. Moi ce qui est chiant c'est que le sol bouge. Allez, ça dure 10 ans. Ah, saleté. Oh non. Et c'est reparti pour un tour. Mario. Ah, je déteste être touché par le poison. Oh zut, il est bientôt 21h et on a fait qu'un seul épisode. C'est pas vrai. Bon, on ça s'arrête là, l'épisode 4. On donne rendez-vous pour l'épisode 5. La vraie pour ce côté... L'épisode 5, on fera quoi si tu veux? Comment? Et on fera quoi l'épisode 5 si tu veux? Petite surprise. Ok, on verra bien ce que c'est. Bon allez, à la prochaine les gens. PS, oubliez ce qui s'est passé avec ma mère. Je n'ai rien fait en plus.